Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Jamie Scherer. Une maman de 26 ans disparaît et il faudra 10 ans pour que sa famille obtienne enfin des réponses. Nous allons commencer par les faits. Je vais vous présenter Jamie. Jamie est née le 1er décembre 1963. Elle a grandi dans une famille nombreuse et avait trois frères. Étant donc la seule fille, elle était très proche de sa mère. Elle est décrite comme ayant un grand sens de l'humour et très affectueuse, surtout avec son père Jerry. C'était également une jeune fille extravertie, toujours heureuse et jamais de mauvaise humeur. Elle a toujours été un peu garçon manqué. Elle adorait le baseball et grimper aux arbres. Elle était vraiment intrépide et elle adorait par-dessus tout les chevaux. À l'âge adulte, la jeune fille énergique est devenue une jeune femme attentionnée et compatissante, qui a conservé malgré tout sa nature pétillante, extravertie, amicale, comme quand elle était jeune. Jamie a travaillé à temps plein chez Microsoft, dans le département des ressources humaines. Même après avoir quitté la maison familiale et s'être d'abord installée dans un appartement qu'elle partageait avec une colocataire, elle est toujours restée très proche de sa famille. Par la suite, elle a acheté son propre appartement à Redmond, Washington, à moins de 10 km de sa famille. Elle passait ses week-ends la plupart du temps avec sa famille ainsi que ses frères. Elle avait un emploi stable, cela lui permettait de voir l'avenir en toute sérénité. Sa vie commençait à s'épanouir devant elle lorsque Stephen Scherer est rentré dans sa vie. Jamie avait 22 ans et Stephen 24 quand ils se sont rencontrés. Dès le départ, la famille de Jamie ne se souciait pas trop de lui. La première fois que ses parents ont vu Stephen, il était sur une moto avec Jamie. Il était fier de sa moto car il l'avait achetée avec des gains sur l'hippodrome. Les Hagels étaient loin d'être impressionnés par Stephen, car Jamie avait emmené beaucoup de petits amis déjà chez eux. Donc à ce moment-là, ses amis ainsi que sa famille n'étaient pas trop inquiets, sentant qu'elle ne pouvait pas être sérieusement intéressée par quelqu'un comme lui. Mais malheureusement, en fouillant un peu dans le passé de Stephen, ses parents ont appris qu'il avait des antécédents criminels. La plupart de ses antécédents prouvaient qu'il était violent envers les femmes. Il avait aussi une dépendance au jeu, à l'alcool et à la drogue. Il avait peu de respect pour les femmes, ayant beaucoup de relations intraconjugales, comme dans son travail. Il changeait de travail très régulièrement. En gros, le gendre parfait. J'ai fait beaucoup de recherches, mais je n'ai pas trouvé pourquoi les parents ont interdit, entre parenthèses, à Jamie de se marier. Sachant tout ce qu'ils savaient contre Stephen, je ne sais pas, en principe, ils n'auraient pas dû accepter que leur fils se marie. Mais malheureusement, en cherchant, je n'ai pas trouvé pourquoi ils ont accepté le mariage. Ou tout du moins, ils étaient au mariage. Donc, ce qui devait arriver arriva. Jamie et Stephen se sont mariés en 1987. Toute la famille était présente. Ce fut a priori un beau mariage. «
Après cette journée de fête, malheureusement, la vie de Jenny va basculer. Steven a tout de suite été très violent avec elle. Elle devait se couper régulièrement les cheveux comme il voulait, se poser des implants mammaires, être comme ça chaque jour, ou être comme si. En fin de compte, c'était à son bon vouloir. Au fur et à mesure du temps qui passait, la famille et les amis de Jamie étaient très inquiets pour elle. Ils ont tous dit qu'ils voyaient des bleus sur Jenny, mais elle trouvait toujours des excuses pour expliquer pourquoi elle en avait. Un jour, elle avait fait une confidence à une amie en quoi Steven l'avait déjà frappée. Ses amis, sa famille lui ont dit tellement de fois de quitter Steven. Mais malheureusement, elle leur a toujours répondu qu'elle l'aimait. Mais au fur et à mesure du temps et des coups qu'elle recevait, Jamie a finalement changé d'avis. D'ailleurs, un matin, elle parlera à un ami. Elle se confiera à lui. Elle lui dira qu'elle est en train d'emballer ses affaires et qu'elle doit partir le plus vite possible avant que Steven ne rentre à la maison. Il faut préciser que Jamie et Steven ont eu un fils Tyler, âgé de 2 ans. Tyler était tout pour sa mère. Je pense que Tyler a joué un rôle. Sa maman a voulu quitter son père pour éviter que Tyler voie que son père était violent et que sa mère malheureusement était battue. Et je pense que ça a aidé beaucoup Jamie à quitter Steven. Nous arrivons à présent le 30 septembre 1990. Jamie a appelé sa mère vers 12h15. Elle devait aller chercher de la nourriture à Taco Time. Puis, elle devait reprendre Tyler chez sa mère. Le trajet devait lui prendre que 30 minutes. Mais au bout d'une heure, Jamie n'était toujours pas là. C'est là où sa mère a commencé à vraiment s'inquiéter. Elle était très inquiète. Elle a donc appelé les amis de Jamie et Steven. Et personne ne l'avait vue. Judy, sa mère, a dit qu'elle attendrait le lendemain matin pour appeler la police. Elle espérait que Jamie se présenterait au travail. Le lendemain, elle a essayé d'avoir sa fille à son travail. Mais malheureusement, elle ne s'était pas présentée. Donc, ses parents ont déposé un rapport de personnes disparues au service de police de Redmond, Washington. La police s'est immédiatement rendue au domicile de Jamie et Steven, à la recherche d'indices. Ils n'ont rien trouvé dans la maison. Rien de suspect, aucun signe de lutte. La police a également demandé à Steven s'il avait quelque chose à leur dire. Steven a juste dit, il déclara, « Je me suis disputé avec ma femme juste avant qu'elle parte chercher notre fils Tyler. Elle avait fait un sac de voyage. Je l'ai juste regardé partir dans sa voiture et c'est tout. » Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le crois. Hein. C'est vraiment pas dans son habitude d'être de toute façon agressif avec sa femme, de ne pas lui laisser faire tout ce qu'elle veut et tout. Donc effectivement, il a dû la regarder partir et ne rien dire. Bien sûr, oui, on vit dans le pays des bisounours. Bon, apparemment la police vit bien dans le pays des bisounours, car ils ont qualifié la disparition de Jamie comme une de dispute familiale et ont pensé que Jamie s'était enfui. Bon, dans un sens, on peut pas leur en vouloir, effectivement, elle aurait pu s'enfuir. C'est vrai qu'on peut partir dans l'hypothèse qu'elle se soit enfuie, qu'elle essaye de trouver un logement sûr, que Steven ne puisse pas la retrouver, et après elle téléphone à sa mère et elle fait rejoindre sa mère ainsi que son fils Tyler, là où elle sera en sécurité. C'est sûr que oui, la police a pu penser ça, et effectivement, on ne peut pas leur reprocher quand même, parce que ça peut être tout à fait cohérent. Une semaine est passée, sans aucune nouvelle de Jamie. La famille a contacté les médias locaux. Ils ont offert une récompense de 10 000 $. Et c'est là que quelques jours plus tard, la voiture de Jamie, une Mazda RX-7 grise, a été retrouvée, à 40 minutes, sur le parking d'une église. Jamie ne connaissait personne dans la région, donc c'est vrai que c'était un peu bizarre qu'elle se trouve là. La police a fouillé tout de suite la voiture, et ils ont retrouvé un sac de voyage. Quand ils ont fouillé dans ce sac, ils ont trouvé beaucoup de vêtements dépareillés et pas de sous-vêtements. C'est quand même suspect, même très bizarre. La police a également remarqué que le siège du conducteur était complètement reculé. Jamie était petite, elle n'aurait pas pu atteindre les pédales. Elle mesurait environ 1m52. Et là, le siège était reculé pour une personne qui mesurait entre 1m75 et 1m85. C'est là que la police a emmené un chien pisteur. Il a reniflé les vêtements de Jamie et les a conduits à un arrêt de bus à proximité. À cette époque, il faut savoir que la police n'était pas convaincue que Jamie était partie d'elle-même et se méfiait de son mari Steven. Et pour cause.
C'est là que la police a commencé à suspecter de plus en plus Steven. Ils lui ont demandé de venir pour un autre entretien. Il a toujours nié de ne rien savoir sur la disparition de sa femme. Lors de son deuxième entretien, il a déclaré à la police que Jamie avait eu une liaison avec l'un de ses amis nommé Toby Parker. Steven a également déclaré que Jamie et Toby avaient été ensemble la nuit avant sa disparition. C'est vrai que vu les antécédents de Steven, il aurait laissé faire. On va y croire. Donc à la suite de ça, la police a fait une enquête sur Toby. Et ils ont appris qu'il avait également des antécédents criminels. Les antécédents de Toby avaient été liés à la toxicomanie et avaient des tendances violentes. Il était également marié et avait déjà été arrêté pour violence domestique. Alors soit Jamie n'avait vraiment pas de chance de tomber sur des hommes comme ça, ou soit Steven connaissait effectivement Toby et voulait lui mettre tout sur le dos. La police a donc convoqué Toby pour un interrogatoire. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait rien à voir avec la disparition de Jamie et a pointé le doigt vers Steven. Oui, en fin de compte, ils se jetaient la balle l'un l'autre. Toby a déclaré que Jamie lui avait dit que Steven avait menacé de la tuer si elle le quittait un jour. Toby a aussi déclaré qu'il était avec Jamie au Cress Motel la veille. Il a fait aussi une déclaration intéressante. Il a dit qu'il croyait que Jamie était au paradis. La police n'avait aucune preuve contre Steven ou Toby. Alors, malheureusement, ils les ont relâchés. Mais pourquoi avoir dit que Jamie était au paradis? Quand même étrange et suspect. Hein. Je sais pas, t'es interrogé par la police, tu vas pas aller dire ça, quoi. Que tu sois coupable ou non coupable. Les parents de Jamie étaient persuadés que c'était Steven qui était responsable de la disparition de leur fille. Ils ont été dévastés d'apprendre que la police avait classé l'affaire, car ils n'avaient aucune piste. Effectivement, ils avaient des doutes sur Steven et Toby, mais malheureusement, sans preuve, ils ne pouvaient rien faire. Ses parents ont continué seuls à rechercher leur fille. Une nouvelle enquête va avoir lieu. En 1997, plus exactement au mois de janvier, un nouveau lieutenant nommé Jim Taylor a repris le dossier. Il a été très choqué d'apprendre toutes les erreurs commises par les enquêteurs précédents. Les frères et le père de Jamie n'ont jamais été interrogés. Les amis aussi de Jamie et les amis de Steven n'ont jamais aussi été interrogés. Pourquoi ? Ils avaient pourtant, à mon avis, beaucoup de choses à dire. Une image très sombre de leur mariage a émergé. Les amis de Jamie ont déclaré que Steven interdisait de les voir. Petit détail pour ce qui va suivre, il faut que ça soit des adultes qui écoutent ça parce que c'est vraiment sacrément choquant, on va dire. Donc s'il y a des jeunes, évitez d'écouter pendant au moins 2 minutes, s'il vous plaît, la vidéo. Merci. Ce qui va suivre est le témoignage des amis de Jamie ainsi que Toby qui a enfin dit la vérité. Alors, a priori, Steven obligeait Jamie et Toby d'avoir des relations sexuelles devant lui. Et il obligeait Toby à être très violent sexuellement avec Jamie et à l'étrangler, ainsi qu'à l'abattre. Voilà les déclarations de Toby ainsi que les amis de Jamie. C'est là justement que Jamie a décidé de partir. Rappelez-vous quand elle a fait très vite ses bagages, quand elle était au téléphone avec un de ses amis. Voilà les déclarations, donc très choquantes. On n'est pas dans la vie des gens, hein, mais là c'est particulièrement choquant. À force d'être interrogé, la police a fini par innocenter Toby comme suspect et tous les chemins ont conduit à Steven. La police a également découvert que Jamie se préparait à quitter Steven et allait emménager avec une amie nommée Lisa Creeder. Elle avait déjà essayé de partir, mais Steven lui avait tiré les cheveux si fort qu'un morceau de son cuir chevelu était venu avec elle. Là, je suis désolée, hein, mais il n'y a pas d'autre mot que pauvre fou. Et encore, fou, c'est très léger. C'est pas un homme, ça. Même les animaux ne font pas ça. C'est un monstre. La police a également interrogé le fameux ami qui avait téléphoné à Jamie quand elle faisait ses bagages. Il se prénomme Jeff Caston. Il a également déclaré que quelques jours avant la disparition de Jamie, il avait vu dans la voiture de Steven une pelle. Il lui avait donc demandé pourquoi il avait une pelle dans son coffre. Steven lui avait répondu « C'est pour me débarrasser de quelqu'un dans les forêts de Washington. » Alors, en plus d'être un monstre, en plus d'être fou, il est stupide. Le dernier témoin interrogé par la police, ce fut la sœur de Steven.
Elle a dit qu'elle était chez Steven un peu après la disparition de Jimmy et qu'elle avait vu une énorme tache rouge sur le tapis. Elle lui demanda donc comment il avait fait cette tache. Il lui répondit qu'il avait renversé du jus de fruits. Suite à une nouvelle perquisition, effectivement, la police a retrouvé le ticket de nettoyage. La police a donc été interroger cette personne qui a nettoyé le tapis de Steven. Mais elle ne se souvenait plus de quelle tache il y avait sur ce tapis. Bon, c'est un petit peu facile, mais bon, peut-être qu'elle a beaucoup de monde, je ne sais pas. Bon, ce qui est un peu surprenant, c'est que cette enquête sur ce fameux tapis n'a pas été approfondie. La famille de Jamie, ainsi que ses amis et la police, ont remarqué que quelques semaines après la disparition de sa femme, Steven sortait déjà avec d'autres femmes. Bon, bah ça, il n'y a rien de surprenant entre nous, hein. Il le faisait déjà quand Jamie était avec lui. Il se rendait dans divers bars, dans des magasins un peu coquins. Aussi, et là c'est vraiment très choquant, par rapport au témoignage de ces femmes-là, il portait très souvent, seul avec elles, les sous-vêtements de sa femme autour de son poignet. Il disait que c'était sa façon de rester près d'elle. Mais il est complètement fou. Mais complètement. Excusez-moi, mais lui, il a un sérieux problème. Hein. Et pas qu'un, à mon avis. Hein. Steven a été arrêté et placé en garde à vue. La police a déclaré que Steven avait fait un commentaire assez troublant sur la façon de faire disparaître un corps. Et que de toute façon, s'il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de meurtre. Et il ne pourrait pas être inculpé. Le 3 mai 2000, le procès. Steven a été jugé. L'accusation a déclaré que Jamie était la victime d'un mari jaloux, violent, fou. Ah, eux aussi ils le disent. Ils pensent que quand Jamie a voulu partir, Steven l'aurait rattrapé et étranglé. Et il aurait jeté son corps dans les bois. Puis, il se serait rendu chez sa mère pour s'endormir, pour établir son alibi. Un témoignage va arriver au cours du procès. Une jeune fille qui est sortie avec Steven après la disparition de Jamie a témoigné que Steven était également violent envers elle. Alors je dis jeune fille, hein, c'est parce qu'elle avait 16 ans, elle était toujours au lycée. Elle a dit également que Steven avait pointé un jour un pistolet sur sa tête et lui a demandé si elle savait ce qu'était la roulette russe. Elle a eu très peur ce jour-là, elle pensait qu'elle allait mourir. La défense de Steven a déclaré que cela prouvait seulement que Steven n'était pas une bonne personne. Mais cela ne prouvait pas qu'il avait fait disparaître sa femme. Pour la défense, sa femme s'était enfuie. Donc il ne pouvait pas être le meurtrier de sa femme, sachant qu'elle était toujours en vie. Ils ont ajouté aussi qu'il n'y avait pas de corps, pas d'empreinte digitale, pas de sang et aucune preuve d'aucune sorte. Même dans sa voiture, il n'y avait pas l'ADN de Jamie. Après 5 jours de témoignage, le jury a été envoyé pour délibérer. En 1990, la recherche d'ADN n'était pas aussi performante que maintenant. Steven a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 60 ans de prison. Sa rage est sortie lorsqu'il a été condamné. Il a injurié le juge, les jurés, la mère de Jamie, le père de Jamie et toute la salle. Quelques mois après, alors que Steven était en prison, il a essayé d'engager quelqu'un pour incendier la maison des parents de Jamie. L'homme a fini par appeler la police et a déclaré que Steven lui avait promis des bijoux pour le faire. Et cet homme a aussi déclaré que Steven avait avoué avoir tué Jamie. Pour être sûr de ce témoignage, la police a fait un plan, assez machiavélique d'ailleurs. Ils ont mis le feu à un baril près de la maison des parents de Jamie. Et cela donnait vraiment l'impression que la maison était en feu. Quand Steven en a entendu parler dans la prison par rapport aux informations, il a fait la fête en prison. Cela a confirmé l'histoire de l'informateur. Et Steven a été accusé et reconnu coupable de sollicitation en vue de commettre un incendie criminel. Il a été condamné à perpétuité. Le corps de Jamie n'a jamais été retrouvé. Ses parents ont créé un jardin commémoratif et plantent chaque année un rosier à l'occasion de la fête des mères. En 2003, Steven fait appel. Heureusement, cet appel a été rejeté. Quelques années vont passer. Il va y avoir plusieurs témoignages qu'il aurait vus dans différents pays. Je ne sais pas si ces témoignages sont fiables ou pas. Moi, ce qui me surprend, c'est que si elle avait disparu volontairement, pourquoi avoir laissé son fils ?
Elle aurait pu reprendre contact avec ses parents quand son mari était en prison. Là, elle ne risquait plus rien. Donc je ne pense pas que malheureusement ces témoignages soient crédibles. Pour moi, elle a peut-être effectivement été tuée par son mari. Pour moi, c'est une histoire tragique et surtout sordide. Et j'espère sincèrement qu'il restera toute sa vie en prison. Car c'est déjà assez grave de vouloir tuer une personne. Mais par la suite, quand il est en prison, de vouloir tuer son propre fils qui habite chez les parents de Jimmy et de vouloir brûler leur maison, mais c'est inimaginable. Il savait qu'il y avait son fils dans cette maison. Enfin, cette affaire est déchirante. Et malheureusement, le corps de Jimmy n'a jamais été retrouvé et ne le sera probablement jamais. Elle avait 26 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, assez sordide d'ailleurs. J'espère du fond du cœur que Jimmy repose en paix, car pour moi, à mon avis, malheureusement, elle n'est plus en vie. Aussi, malheureusement, ses parents sont décédés depuis. Ils n'ont jamais su ce qui était réellement arrivé à leur fille. Donc j'espère également qu'il repose en paix. Et je souhaite énormément de courage à Tyler, son fils, car vivre sans sa maman, c'est quelque chose d'horrible. Voilà. Eh ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.